marketing et la communication sont souvent accusés d'être complices d'un modèle néfaste et dominant. Incitation à la surconsommation, obsolescence prématurée, renforcement des stéréotypes, collecte et exploitation des données personnelles. Ces activités peuvent évoluer vers des pratiques plus responsables. Concrètement, il existe plusieurs leviers d'action. L'ouverture aux parties prenantes, la conception d'offres plus responsables, voire la définition de nouveaux business models, la mise en place de politiques de prix justes, la réduction des impacts des actions de communication et de promotion, et aussi l'engagement sur les messages, c'est-à-dire la lutte contre le greenwashing. En conclusion, c'est un domaine en pleine effervescence dont l'objectif est de mettre le marketing et la communication au service de la transition écologique et solidaire.